satisfaction, donc je suis heureuse et contente dans le moment. Dans ce moment, donc, tous les locataires sont aussi heureux que moi. Donc nous avons milité aux côtés de M. Lascari et Kiaba et nous remercions entièrement M. le maire aujourd'hui de nous avoir permis d'avoir ce titre de propriété aujourd'hui. Donc c'est une très grande fierté pour nous. Donc moi, j'ai payé ma maison bien longtemps, donc aujourd'hui c'est une très grande fierté. Je me suis battue pour les autres locataires aussi. Donc nous sommes déplacés au niveau de la SOFIAC pour pouvoir annuler quelques dossiers. Donc ça a été fait, ça a été acté et aujourd'hui, les locataires sont heureux et ils sont contents. Sans satisfaction. On peut penser que même si effectivement on est modeste, même si on est militant du bout, mais là où on vit qu'à fête et qu'il y a dans le sens à ça qui a commandé au départ, on faut dire qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons dit que c'est une grande satisfaction que ces gens-là qui ont trouvé le propriétaire de foncier ailleurs. Nous avons dit que c'est important dans ce site-là, nous avons vu là, dans ce petit groupe que nous avons vu là. Et c'est pour ça que nous avons gommé que chaque monde, pas seulement ni un titre en bouche, mais ni un titre effectivement écrit par rapport à la situation ailleurs, par rapport à foncier ailleurs. Aujourd'hui, ça va permettre effectivement c'est que ces gens-là améliorent les conditions de vie ailleurs, ils ont amélioré la situation ailleurs parce que ils ont eu des possibilités effectivement de faire tout ça qu'en propriété, au café, à si bien aille. Et c'est pour ça que nous avons dit, et nous pas paix effectivement dit, mais là, des merci effectivement pour ces gens-là, ça, de faire geste à ça. C'est pour ça que nous avons dit que nous trouvons effectivement réponse à travers déjà la manière que M. le maire prend en compte, sérieusité qu'il prend en compte par rapport à la situation à ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons dit, c'est naturellement que nous avons dit ça et nous avons tiré à être là aujourd'hui pour montrer, pour prouver effectivement que combat là, mobilisation, c'est à ça qu'il a abouti. Et nous avons constaté en Guadeloupe, à droite et à gauche, eh bien, c'est le problème foncier qu'on a trouvé et qu'on a posé. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous avons espéré que aujourd'hui, c'est comme première pierre, mais qu'il y a d'autres bitins qui font d'autres actions comme ça, qui sont faites un peu tout le côté en Guadeloupe. Eh bien, disons, c'est un jour de bonheur, je pense, pour les habitants de Dugoumier, hein, particulièrement ceux qui habitent les LTS, après une attente de 14 ans quand même. Hein, et pour un projet qui a commencé à voir le jour plus de 16 ans. Et que les gens deviennent propriétaires aujourd'hui, je pense qu'ils apprécient cet instant. En plus, après un long combat et qu'ils ont mené. Mais disons, depuis que nous sommes arrivés, nous avons tenté de pouvoir régler cette affaire-là. Mais une affaire super compliquée avec des opérations qui étaient construites, menées sur terrain privé, par une entreprise privée, et avec des fonds publics. Nous arrivons aujourd'hui avec l'apport et l'aide de tous, hein, on arrive à s'en sortir. Je pense que c'est un moment de fierté pour nous-mêmes, ville, d'avoir abouti à cela. Et les habitants sont heureux, mais il reste encore 18. Et ces 18-là, nous allons essayer de voir comment on peut les accompagner afin qu'ils puissent, disons, honorer leur apport. Car il est important quand même que chacun porte sa contribution afin qu'ils deviennent propriétaires. Les enfants vont être sécurisés, la succession est assurée. Je pense que c'est apprécié. Monsieur, vous pensez que ça a pris un petit peu de temps quand même, mais avec beaucoup de pédagogie, on arrive à se faire résultat dans le monde. Ah ben, les choses ont pris du temps parce que les choses étaient complexes. Hein. Avec des sociétés de crédit, mais enfin des choses compliquées qui ont fait faillite, enfin un tas de choses compliquées, mais avec, disons, une détermination, avec le sens de la pédagogie, comme vous dites, on a pu s'en sortir, avec, disons, des habitants qui ont compris que nous avions la volonté, la ville a montré une certaine volonté d'y aboutir, en respectant les droits. On ne pouvait pas donner carrément, cela ne se fait pas, il y a une égalité quand même, et on pouvait accompagner, on l'a fait aujourd'hui, avec le concours du notaire, le concours des associations aussi, qui ont défendu le dossier, mais qui ont eu l'honnêteté de dire qu'ils ont trouvé une municipalité qui avait abouti à un accord d'une très belle facture avec les habitants.